Vous êtes sur Raspberry Radio et vous venez d'entendre actuellement Asketil faire des bruits bizarres à l'antenne. Voilà, c'est mon petit plaisir. Ouais, il fait ça souvent, il adore. Mais c'est vraiment, j'attends la dernière seconde pour qu'il lâche la connerie. C'est parfait. Là, c'est parfait. C'est, et nous sommes à l'antenne. Généralement, c'est vraiment la connerie. Hein. C'est vraiment, je sais pas pourquoi, c'est toujours la connerie qui ressort. Tu vois, c'est pas, je suis encore en train de parler. Non, c'est vraiment. Je pense qu'il faut te remettre en question. Hein, Non, parce que apparemment aussi, quand je parle souvent, je fais des doubles sens. Que moi, je m'en rends pas compte. D'accord, okay. Ça arrive souvent aussi, ça arrive très souvent. Okay. J'ai eu des amis à chaque fois. Mais... Tu connais la série The Office? Ouais. Apparemment, il y a un moment où ils disent That's what she said. C'est pas faux. Et ouais. Ça, c'est Camelot. Jamais. Ah, Camelot. Ah, mais t'as pas été dans le salon. Il y a deux affiches de Camelot. Ah, il y a. Très fan. Ah, ben oui, là. Il y a la derrière. Si on a gros, c'est la foule, grâce à la vie. Très fan d'Alexandre Astier. Très fan. Ah, nous aussi. Et j'avais un médaillon, j'avais des t-shirts. J'ai changé de style vestimentaire. Mais d'ailleurs, il est au code maintenant. Ah ouais. Ouais. Bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Vous êtes sur Raspberry Radio. Il est 20h passé et nous sommes en compagnie de monsieur MK. Bonjour. Salut, merci de me recevoir, c'est cool. Mais avec grand plaisir, on est là pour ça. Comme tu as pu voir, on est assez. Ouais, c'est cool. On est assez simple. Généralement, on arrive aussi à mettre les gens à l'aise. On va voir. Est-ce que t'es à l'aise? Pourquoi t'es pas à l'aise? Non, tu m'as parlé de Camelot, c'est bon, je suis à l'aise. Ça, on sent mieux, tu vois. Nous, on sent bien et on sent mieux. À Bruxelles, ça me tue, je parle de Camelot, j'ai l'impression que personne ne me comprend. Ça me tue. Je suis même surpris. Camelot, ouais, je connais vaguement. Bienvenue sur la Diam, du coup, en compagnie de monsieur MK. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un agréable moment et un agréable dimanche. Rebonjour à tous ceux qui étaient là tout à l'heure pour Marie Harper. Et nous sommes maintenant en direct avec monsieur MK, le rappeur liégeois. Alors, on va faire 1h30 d'émission ensemble. Cool. Donc, on va avoir plein de choses. On va avoir notamment une interview. Okay. On va avoir le jeu du rappeur ou jazzman. Il va falloir deviner parmi les noms si c'est des rappeurs ou des jazzman. Tu nous feras un petit. Tu vas voir. On aura un petit freestyle tout à l'heure. Il y en aura également un quiz de culture générale en lien avec le jazz et avec le rap, puisque c'est un peu ton univers. Ah, ça, c'est vrai. J'ai l'impression. Donc, si je rate ça, c'est vraiment. Je perds tout crédit, quoi. Oh, t'inquiète pas. Il y en a qui ont perdu bien pire ici. Ok. T'as pas vu le jeu qu'on a fait tantôt? Oh là là. Non, on explique vite le jeu pour donner une idée. De celui que moi je dois faire. Non, un autre. Ah, okay. Non, j'ai prévu un jeu qu'on a fait tout à l'heure avec Marie Harper que j'ai fait peut-être un peu trop haut level. Ah ok. Donc là, ça me met pas la pression pour le mien du coup. Pour le tien, j'ai été soft. Okay. Parce que le jeu pour Marie Harper, j'ai testé quand j'ai vu que c'est même la personne qui connaissait les règles était et je vais faire autre chose. En gros, c'était le jeu du traducteur. Donc, j'avais pris des chansons françaises que j'avais traduites en anglais et des chansons anglaises que j'avais traduites en anglais. Ah, j'aime bien, ça, c'est marrant ça. Et il fallait juste retrouver l'inflation. Sauf que c'est un enfoiré, donc lui, il ne choisit pas les refrains. il choisit les jeux. Voilà. Donc, si tu veux, il écrit pas dans le bureau, ça peut le refaire tout à l'heure. C'est sympa. Oh, bah, moi, je connais les réponses, du coup, on peut. Il pourra t'aider. Voilà. J'ai réussi à retrouver quand même AC/DC. Ouais. Surtout parce qu'il y a des retours en noir, un truc comme ça, et back bah, and back. C'est la seule chanson où j'avais pris le refrain, parce qu'entre le refrain et le couplet, il n'y avait aucune différence. Ah, bah oui, c'est ça. Bah, surtout que Back in Black, chaque début de couplet et chaque début de refrain, il commence par Back in Black.
Donc forcément, c'est. C'est ça. Il y avait le lac du Colémara aussi qui était facile à trouver, puisque dans le milieu du lac du Colémara. Donc... Ouais, mais il n'est pas arrivé jusqu'à ce moment-là. Hein. Ouais, non, il s'est arrêté avant, il avait dit un truc genre allez se baigner dans le lac ou je sais plus quoi. Et c'est quand j'ai entendu le lac, je me suis dit la Colémara. Ouais. Je connais ce truc-là. Je connais ça. C'est du vaudou. C'est du vaudou. J'ai jamais retrouvé les trucs. Ah, c'est vrai que ce fan. Ah, il m'a jamais envoyé. En fait, on a un pote qui a un jeu dans lequel il y a un personnage qui dit voilà, je reconnais ça, c'est du vaudou. Et il en a parlé des dizaines de fois et qu'on lui a dit mais envoie-nous le truc, il a jamais retrouvé ce que c'était. Ah, ok, ok. Mais j'avais pas la ref. Non. Nous non plus. Ah, okay. Et visiblement lui non plus, puisqu'il a jamais retrouvé le passage. Donc on se demande un petit peu avec le temps s'il m'y tenait pas un petit peu. C'est impossible. Mais il disait, c'était vraiment avec la voix, c'est mais je reconnais ça, c'est du vaudou. Tu vois, un truc comme il disait, un truc comme ça. Ok, ok. Je crois que c'était un orc. Ouais, c'est possible, mais on a jamais su pourquoi. Non, on a jamais su, c'est voilà. Donc voilà, on va faire 1h30 d'émission. Là, on a fait 10 minutes tout à après à nous connaître. Maintenant, on va apprendre à te connaître pendant 1h30. Enfin, tu vas voir qu'est-ce que il est encore l'art de nous surprendre au dernier moment. Ok, ok. Donc, ah bon ? Ouais. Parce que j'ai fait quoi ? Qu'est-ce que t'as sinué là ? Moi, rien. Rien, on découvrira ça tout à l'heure. On va voir. Et on fait autre chose, on va jouer à. Il y a un billard à côté si jamais. Ah ouais, c'est vrai, il y a un billard. On va tout vous dire bouger, on va. Oh, prochaine fois on fait ça. Est-ce que t'as moyen de mettre les micros sur le billard ? Normalement, ouais. Ouais ? Ouais. Bah, il y a pas besoin. Enfin, si, il y a quand même l'ordinateur et toute la régie à bouger, c'est chiant, mais. C'est quand même une partie de bière galère, hein, les gars. Si tu dois bouger tout ton matos pour. Bah, surtout après, je mets où ? Parce que si je le mets sur la table de bière, on va pas gagner. Compliqué. Mais joue, mais je peux pas, il y a un micro là. Compliqué. De toute façon, t'as le choix. De toute façon, c'est soit tu bouges tout là-bas, soit tu bouges la table ici. Ah, tu mets un beau dilemme là. Là, tu me dis challenge, là, j'aime bien. Ça, j'aime bien ça. Genre, ça, c'est un mur porteur. Mais je peux le péter. Ça va pas. T'aimes bien cette vanne-là aussi, dis donc. Oui, j'aime bien cela. J'ai fait la compter de trois fois, c'est mal. Enfin, bref. Je te trompe pas, t'es gentil, toi. Bon, monsieur MK, est-ce que t'es prêt ? Ouais. On va partir sur une 1h30 d'émission. Ok. Donc voilà, on va se retrouver d'ici quelques petits instants, on va faire une interview. Ok. Interview classique, on commence léger, des questions simples. Ouais, cool. Il n'y a pas trop de réflexion à avoir, c'est basique. Cool, mais moi je réfléchis pas à ce moment-là. Voilà. Parfois il écoute pas non plus. Donc... J'avais cru qu'on ne pas tout dire. Pardon, merde, nos micros. Allez, d'ici quelques instants, chers auditeurs, on va s'écouter une petite musique et après ça, on aura l'interview de Monsieur MK. Donc restez bien avec nous, soyez présents avec nous. On a Monsieur MK qui va se présenter d'ici quelques petites minutes. Et en attendant, je vous propose de faire une petite pause musicale où on va s'écouter un rappeur qu'on a mis à l'antenne sur Raspberry il y a longtemps, un Américain qui s'appelle Neil Nomer. Ok, je connais pas du tout. Il n'est pas connu du tout, okay. Avec sa musique Dooley. Et il est tout sympa, il nous a dit est-ce que je peux passer une ou deux musiques, on lui a dit oui, voilà. Cool. Voilà. Cool. Comme ça tu sais qu'il y a d'autres rappeurs qui potentiellement t'écoutent. Ouais, je vais découvrir ça. Cool. Voilà, je vois qu'il y a des concurrents. Il n'y a pas de concurrents, il n'y a pas de concurrents. Allez tout de suite, Neil Nolor avec Dooley. I used to roll dice, kill crows, used to pull the sea through the usual oscillation. I just flow in all my observations. Most of the time, I guess I got across you. Now it's over. Pocket bullets, phosphor, and sulfur, and polar scenarios. Fuck you all, and fuck the Paris. I never even stare clear at it. I just need to get a glimpse, and there it is, a smear attic. Across the walls of sobriety, saying fuck society. No one's got side of me, feeling like I ride the beast. Buying all these die streets, never feeling like that. My notebooks and diary, making all inquiries. Eyes are so fiery, you know why they lying to me. This is what I try to be, feeling like I ought to be. Something way more than a singular soul on this laid floor. Fuck you motherfuckers, this ain't what I paid for. Still trying to get away, this what the day's for. Just the shattered nights, coming back to life. Like the Aphrodite, this is me and you. I'm the acolyte, having half the sight, all half the right.
motherfuckers always feel like they have to bite. Today meet a malocclusion, a foul illusion that I've been disemboweling, using syringes to inject this. What the fuck I gotta say to make you respect it? Cracking mirrors, they never did reflection. And now I am embodying it, an essence of no. Blessing the souls, I'm back, I'm pressing them though. I'm resting them ho, you know I got the rest of it though. The exes your pros, I'm giving you intelligent oh. And what the fuck I gotta say, man? I'm better than both, I'm better than most. And head in the host, I'm dead in the ghost. I shredded with notes, I was better than time. When I thought it was over, it's a better decline. Since I was like over, never wanted to shine. To extend it, never wanna end it. Swinging like a pendant, never been dependent. Ended all my friendships, man, I'm too relentless. Coming to my senses, I know what the best is. I know what it means, truthfully I can scream. Told him it's a dream, strung him out, it ain't a string. Who the fuck's the king? Who I gotta take it to? Made it all the way to where I'm going, now I'm saving you. This is who I gave it to, this ain't fucking pay-per-view. I ain't gotta escape the rules, nigga, I make the rules. And plus I came here just to fucking light the fuse. You already know the ether I'm biting through. Man, I've been reciting fuel, who the fuck I gotta do it with? I mean, I guess I'm proving this is the first time that Mucilage was on the ceiling, spitting on some stupid shit. Now, I think I'm lost, I am too cross. The man that'll take your fucking sandals off. If you think life's a beach, she's more of a bitch. Yeah, I'd agree. And I think you ain't never really seen the side of me. Nah, and I ain't who I'm trying to be. A nil known in society with no fit, why they lie to me? Shit, I think I'm dying, seems I'm never gonna manifest a dream, a anapestic king. You can never get rid of me, rest in peace, if you bring it to me. And I know that you're seeing through me, duly. Yeah. Et on est de retour, chers auditeurs. On vient de s'écouter à l'instant Neil Noller avec Dooley. Voilà. C'était très cool. C'était cool. Voilà, c'est un petit rappeur très californien cool. Qui se lançait et qui a demandé. On s'est dit, bah allez. Très chaud. Il est sympa. Kiss from Belgium, si jamais il écoute. Hein? Kiss from Belgium, si jamais il écoute. Voilà, on lui fait une petite dédicace au passage. Dédicace à tous mes potos du Californie. Yeah. Ah, vous êtes vachement crédibles, les gars. Franchement. Si je te jure. De ouf, hein. Alors, un jour, les gens auront une idée d'avoir peur de moi, mais juste une idée. une idée large. Voilà, vague, tu vois, de loin. Eh bien, je propose que nous passions à ton interview, monsieur MK, si ça yes. va pour toi. Bien sûr. Alors, première chose, chose simple, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Ouais, ben, donc moi, c'est Max, a.k.a. monsieur MK, donc c'est mon nom d'artiste. J'ai 35 ans, je fais de la musique depuis une dizaine d'années. Donc de base, moi, je suis chanteur et guitariste dans un groupe de cover. D'accord. Et puis en parallèle, j'ai commencé une carrière solo donc dans le rap depuis maintenant 2 ans. 2 ans, 2 ans et demi. J'ai 2 EP. Le dernier, là, qui s'appelle Birdland, vient de sortir sur Spotify il y a 2 semaines, je pense. Une semaine, un truc comme ça. Et voilà. Et le pseudo Monsieur MK, monsieur, c'est parce que je suis prof dans la vie de tous les jours. Donc mes élèves m'appellent comme ça, donc je trouvais que c'était un clin d'œil cool, et MK c'est mes initiales, simplement. D'accord. Voilà. Et t'aurais l'idée une fois de faire genre un clip musical, et dans le clip, t'es prof, ou du moins au début t'es prof, et genre... Ouais, en fait, le fait de faire de la musique et que mes élèves soient au courant, c'est un truc que j'assume depuis peu, avant je le cachais, parce que j'avais peur que ça se joue sur mon autorité en classe, et que ce soit un peu une galère. En fait, non, pas du tout. Maintenant que ma musique sort et que mes élèves l'écoutent, ils sont super bienveillants et super cool avec ça. Donc, pourquoi pas à l'avenir. C'est pas dans les projets, en tout cas, actuels, mais ça pourrait être un truc cool, ouais. Pour l'instant, j'essaie de dissocier un peu les deux, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ah, ce serait marrant. Ouais, oh, surtout. Ouais. Oh, puis ça me ferait plein de figurants gratuits. Bah oui, justement. Au moment où tu vas commencer à grandir de plus en plus...
Ils vont être tout contents, ils vont être immortalisés dans ouais, non, clip. Non, le rapport avec eux est cool, et même par rapport à mes sons et tout, j'ai plein de retours de mes élèves, donc c'est cool. Ah, très cool. Lesquels ouais. Alors, du coup, tu nous as dit que tu étais professeur. Ouais. Et alors, du coup, tu es dans le domaine artistique, donc tu fais ouais. du rap, du chant, de la guitare dans un groupe de reprise. Ouais, un peu de percu aussi. Et du coup, concrètement, quel est ton parcours artistique? Donc, le parcours, en fait, donc, je touche un peu à plein de trucs différents. Donc, j'ai commencé à jeune à faire des percus, puis j'ai arrêté pendant très longtemps. Puis j'ai une formation théâtrale pendant la fin de mes primaires et l'ensemble de mes années secondaires. Donc vraiment, pas du tout axé sur le chant, mais vraiment axé sur la scène et du théâtre. Mmh. Un peu de théâtre d'impro, beaucoup de déclamations, théâtre un peu classique aussi, art dramatique, etc. Et puis c'est arrivé sur le tard, vraiment sur le tard, à la vingtaine, 20-23, en fait, avec le père de ma femme. Le père de ma femme est guitariste et c'est lui qui m'a appris à jouer de la guitare. Je me suis dit, tiens, c'est le bon plan pour qu'il m'apprécie. Non, en vrai c'est... Il a plus d'une corde à son arc. Ouais, exactement. Et donc, c'est lui qui m'a appris à jouer de la guitare. Et puis, je me suis accompagné au chant et je me suis dit, ça a l'air d'être juste, ça a l'air de bien passer. De fil en aiguille, on a créé un groupe de cover ensemble qui s'appelle The Puzzles, qui est toujours actif. On joue toujours. Et en fait, ça s'est fait un peu naturellement comme ça. Et puis, moi, j'ai toujours écouté du rap. C'est ma culture, elle est super. Afro-américaine dans ce que j'écoute. Mmh. Et donc, assez spontanément, à un moment donné, faire que des covers de personnes que je connais pas, en tout cas de textes qui sont pas les miens, j'avais envie d'avoir un peu plus de trucs à côté. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans deux projets, donc vraiment le projet cover et puis moi en solo à côté, quoi. D'accord, donc t'as varié tes domaines artistiques jusqu'à te poser dans un truc plus ou moins concret. En vrai, je me suis même pas encore vraiment posé parce que là, en l'occurrence, il y a un projet théâtral auquel je vais participer aussi. Donc j'aime bien... Touches à tout. Ouais, quand ça m'intéresse et que je pense que je peux avoir amener quelque chose, même tout modestement, bah j'y vais, quoi. Donc okay. Ouais, c'est le projet artistique au sens large du terme qui me chauffe, généralement. C'est plutôt l'art. Ouais, grave. Ouais. Et quelles sont tes plus grandes influences dans le monde musical ou dans le monde de l'art ? Musical, je pense vraiment la première grosse claque que je me prends, je pense c'est Alicia Keys. Encore maintenant d'ailleurs, je pense que c'est mon artiste préféré. Donc c'est plutôt de la soul ou plutôt du R&B, c'est pas vraiment du rap. Après dans le rap, j'écoutais déjà du rap avant, mais la vraie grosse claque que je me prends, je pense, c'est quand je suis en 3e secondaire et que je découvre The Black Album de Jay-Z. Ah ouais, ok, gros album. Ouais, et ça à ce moment encore maintenant je l'écoute, c'est mon classique ultime personnellement. Et je me prends une claque parce que je comprends pas ce qu'il dit, donc c'est pas trop le sens des paroles pour le coup, mais c'est le mix entre, déjà la fusion en fait entre le jazz et le hip-hop qui m'a trop fait kiffer dans ce projet-là. Après j'ai compris que c'est un peu une histoire d'amour entre le hip-hop et le jazz et que c'était pas le premier à faire ce genre de sonorité-là. Mais moi c'est la première fois que je l'entends à ce niveau-là. Et donc, je prends une grosse claque là-dessus. Et puis après, je me diversifie et j'écoute plein de trucs. Maintenant, j'écoute plus de jazz aussi. J'écoute moins de rap aujourd'hui. Tupac. J'ai beaucoup écouté Tupac quand j'étais ado. Et en rap français, j'ai aimé le rap avec IAM et NTM. Enfin, les trucs bateaux de mecs de mon âge qui écoutent du rap, quoi. Mais, et qui aiment bien ça, quoi. Ouais. D'ailleurs, j'ai l'album des 20 ans de IAM. Si tu veux, on peut la mettre maintenant. Ouais. En fait, IAM et NTM en rap français, ça a été deux écoles différentes parce que. IAM, c'est l'écriture. Il y a vraiment une manière d'écrire, d'amener des images, de faire un storytelling qui est fou. Et NTM, ils sont, à mon sens, moins chauds dans la manière d'écrire. C'est plus brutal, plus brut. Mais par contre, sur scène, à l'époque, c'était injouable. C'était vraiment les tauliers sur scène. D'ailleurs, ils ont commencé en faisant des festivals rock dans tous les sens. Et donc, j'aimais bien ces deux références-là, quoi, la référence à l'écrit et en même temps la référence de vrai perf sur scène. Je trouvais ça assez cool. Ah, ouais, pas mal, effectivement. Mais du coup, on a parlé de tes influences, de tes artistes favoris, mais toi dans tout ça, c'est quoi tes actualités pour l'instant ? Bah donc là, mes actualités, donc je viens de sortir, comme je disais, Birdland, donc qui est mon deuxième EP qui est sur Spotify. Il y a un an maintenant, j'avais sorti l'EP précédent qui s'appelait White Sneakers, qui est aussi disponible sur Spotify. Je viens de sortir le premier single en clip sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Monsieur MK. Le clip s'appelle God Bless, donc c'était le clip que je voulais vraiment mettre en avant parce que dans l'EP j'ai fait beaucoup de featuring. Celui-là en l'occurrence c'est un morceau qui est 100% où je suis tout seul dessus.
Et là, mercredi, ressort sur YouTube le deuxième clip issu de cette EP-là, qui est le son éponyme de l'EP, donc qui s'appelle Birdland aussi, et qu'il est en featuring avec une artiste qui vient de Buenos Aires, qui s'appelle Sakti, et qui est mon son préféré de l'EP, celui que je kiffe vraiment le plus. Birdland. Et donc, donc ce Birdland. Birdland, ouais. C'est en fait, c'est une référence à un club de jazz de New York emblématique, dans lequel Chet Baker a beaucoup joué. Et moi, Chet Baker, c'est mon jazzman préféré. Donc, c'est la ref, c'est celle-là, quoi. Et donc, ouais, il sort mercredi. Et là, je viens de sortir un freestyle sur Spotify qui est sorti il y a 2 jours, qui s'appelle Waves, que je ferai normalement tout à l'heure. Et en gros, les actus, c'est ça. Et je tourne beaucoup avec mon groupe de cover. Et en tant que percu, je fais quelques remplacements avec un autre groupe aussi. En projet solo, en live solo, pour l'instant, c'est un peu calme. Je cherche, mais c'est difficile de trouver des scènes où ils cherchent vraiment des artistes avec des compos. Donc pour l'instant, je tourne pas mal avec mon groupe de cover. Et voilà. Oh, pas mal. Mmh. Une belle actu. Quand nous, on aura aussi notre événement, spectacle, etc. Tu viendras. Je suis chaud, les gars. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Quand nous aussi, on aura des actus. Un voilà. Truc à dire à l'antenne. Je suis très chaud. On s'arrange. Avec grand plaisir. Mais du coup, pour suivre tes actus, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Donc en fait, il y a plusieurs médias sur Facebook. En fait, j'ai un peu déconné parce que je suis nul en réseaux sociaux, donc j'ai pas uniformisé mes réseaux sociaux parce que je suis un peu un boulet là-dedans. Non, t'inquiète pas, nous, donc, ouais, c'est terrible. Donc en gros, c'est MK Lunart. En fait, Lunart, c'est mon label, le label que j'ai créé pour m'autoproduire, puisque je suis forcément 100% indépendant. Ouais. Donc sur Facebook, c'est MK Lunart. Si tu cherches, si tu tapes MK sur Instagram, tu tomberas aussi sur mon Insta, Monsieur MK officiel. Sur YouTube, Monsieur MK, sur Spotify, Monsieur M.K, et surtout Spotify, Apple Music, Deezer, enfin, tous mes sons sont sur toutes les plateformes de stream. Tout y est. Ouais, normalement, tout est dessus, ouais. Ok. Du coup, on a fait tes actus, on sait où te joindre, mais c'est quoi tes futurs projets ? Là, je viens de finir celui-ci. Je viens vraiment de finir celui-ci. Donc, là, je suis vraiment dans la partie où je mets ce projet-là en avant. J'essaye de le défendre au maximum parce que c'est toujours le truc un peu frustrant, tu vois. Tu passes des mois. Et tu mets quand même pas mal de thunes dans un projet qui, finalement, est très vite écouté. Là, je suis... Bah, c'est pour ça que je suis trop content d'être ici avec vous. Et puis, j'essaye au maximum de défendre ce projet-là via les réseaux, quand on m'invite sur des radios, etc. Donc, ça, pour l'instant, je focus mon énergie là-dessus. Et puis là, j'ai fait beaucoup de feats internationaux sur l'EP. Là, maintenant, je me reconcentre avec des gars avec qui je suis en contact à Liège pour... refitter un petit peu. Donc il n'y a pas de gros projet là tout de suite parce que je viens de finir celui-ci. Donc il n'y aura pas d'EP prévu dans l'année parce qu'il faut que je remette déjà de l'argent de côté parce que ça coûte quand même pas mal d'argent. Et puis que je retrouve un peu d'inspi et que je sache quel DA je veux donner au prochain projet. Mais par contre, à mon avis, il va y avoir des featurings qui vont sortir dans le courant de l'année, plutôt en pop-up sous forme de single, à mon avis, qui sortiront comme ça. Voilà. Peut-être avec même une artiste de Raspberry. Bah ouais, on va peut-être se mettre en contact. Produit là, on a des, par Raspberry. Des... Produit par Raspberry, financé par Raspberry. Comme les gars. Donc voilà. Donc dans l'année, ça va surtout être des musiques qui vont voir le jour. Ouais, ouais. Il y a un son que j'aimerais quand même bien peut-être mettre en avant qui s'appelle Mission sur cette EP-là, qui est un son un peu plus énervé avec les autres, un peu plus old school aussi, que j'aimerais vraiment bien clipper. Maintenant, il faut voir si je le ferai ou pas. Je me laisse le temps de voir un petit tu peu. Tu laisses le temps retour. De voir. Déjà aussi voir le retour sur le retour sur le premier clip était vraiment au-delà de mes attentes, donc ça c'est super. J'ai fait des chiffres que j'avais pas fait jusqu'à présent, donc j'attends de voir un peu si ça monte encore avec le deuxième clip aussi. Et si je vois qu'il y a un peu un engouement sur les visuels, bah, peut-être j'essaierai de clipper le troisième alors dans le courant des mois qui viennent, ouais. Ok. Voilà, toute l'actu, donc n'hésitez pas à les revoir sur les réseaux sociaux. On a une partie aussi Raspberry où on peut tourner des clips. Non, ça marche, pas de soucis. On est partout. On gère. Okay, voilà. Okay. Donc vous n'oubliez pas, chers auditeurs, vous allez voir MK Lunart. Ouais, MK Lunart sur Facebook, Monsieur MK officiel sur Instagram. Et Monsieur MK sur YouTube, Spotify, normalement vous me trouvez un peu partout. C'est Monsieur M.K sur Spotify, et là vous trouverez tout. Tout ce que j'ai fait, il y a mes 2 EP et quelques singles qui sont sortis un petit peu comme ça en plus plic-ploc. Donc vous aurez un panel de ce que je fais en espérant que ça vous plaira. On va déjà s'écouter quelques petites musiques ici, cool. Au sein de Raspberry, des musiques que tu nous as envoyées en disant que tu voulais bien qu'on les diffuse, donc on va les diffuser. Yes. Et on va pouvoir en parler au fur et à mesure et découvrir un petit peu ça. Alors je propose qu'on comme tu es sur le point de devenir peut-être une star un jour. De signe.
Vite. On va commencer par une chanson qui parle un petit peu et pas vraiment de ça, puisqu'on va s'écouter la musique Étoile. Ouais, ça parle. C'est... En fait, Étoile, c'est un son qui parle surtout de relations amoureuses et de ma relation amoureuse avec ma compagne. Donc, c'est un truc. Les premiers textes que j'ai écrits, ils étaient fort social, un peu toujours. Et là, c'est... je voulais parler d'une autre thématique, mais je voulais pas. Je savais pas comment le faire, en fait. Je voulais pas faire un truc trop à l'eau de rose. Et donc, je suis super content du résultat de ce son, parce que c'est plus une chanson d'amour, en fait. Mais dont la forme ressemble pas à une chanson d'amour. Donc c'est ça un peu l'idée, avec une prod un peu presque dubstep un peu. Ouais. Voilà. Et elle est vraiment très très chouette. Merci beaucoup. Merci. Et je propose qu'on la fasse découvrir à nos auditeurs tout de suite. Donc yes. On va s'écouter Étoile de Monsieur MK. Cool. Que je fais du son, j'essaie d'écrire un texte sur toi. Après deux lignes, je suis fébrile, j'écris un énième texte sur moi. Je passe ma vie à faire de belles phrases pour toi, j'ai pas les mots. Plus facile d'écrire des textes vulgaires qu'une chanson d'amour. Je passe ma vie à faire de belles phrases pour toi, j'ai pas les mots. Tu m'as enveloppé de tes ailes, t'as éteint tous mes démons, mis en avant mes qualités, diminué mes défauts, boosté ma confiance en moi. Carrément maintenant j'ai de l'ego. J'ai abaissé le bouclier, t'es transpercé par l'amour. Jamais vu un rire si cool, ressenti un cœur si pur. Je veux pas d'un texte à l'eau de rose, rempli de clichés faciles. L'aventure est belle, l'avenir le sera aussi. Avant toi, je tournais en rond, j'ai fait 100 fois les 100 pas. Paraît que le monde est dur, avec toi je le sens pas. On les laissera tous, on montera dans l'avion. On verra toutes les merveilles, tu seras ma partenaire pour la vie. Moi j'ai le tien, je m'en fous du regard des autres. Ouais, je suis fleur bleue, aucune histoire n'arrive à la cheville de la nôtre. On ira, on suivra les étoiles et les chercheurs d'or. Si on en trouve, on cherchera encore. Paraît que le monde est dur. Avant toi, je tournais en rond. Suivra les étoiles. Suivra. Une étoile filante. Paraît que le monde est dur. Avant toi, je tournais en rond. Suivra les étoiles. Paraît que le monde est dur. Une étoile filante. Une étoile filante a percé les cieux. Parfois on dit qu'on s'aime juste avec les yeux. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Nous on a vécu enfants et on a fait pas mal d'heureux. On a donné ce qu'on a pu, on a reçu le centuple. L'amour se propage, plus d'amour en résulte. Quand t'es à l'arrêt dans le noir, c'est le love qui te débloque. On est tellement ensemble, mon patronus c'est un springbok. Vieillir c'est une obligation, grandir est un choix. Moi je m'en fous de choper des rites si je les chope avec toi. Mes victoires sont les tiennes, tes victoires sont les miennes. T'es le premier regard que je cherche quand je monte sur la scène. On ira sur les routes comme Jean-Jacques. Leurs normes on s'en fout, je crois qu'ils nous prennent pour des fous. Viens on s'enjaille. Une histoire ça se crée, un mariage ça se construit. L'aventure est belle, l'avenir le sera aussi. Avant toi je tournais en rond, j'ai fait 100 fois les 100 pas. Paraît que le monde est dur, avec toi je le sens pas. On les laissera tous, on montera dans l'avion. On verra toutes les merveilles, tu seras ma partenaire pour la vie. Moi j'ai le tien, je m'en fous du regard des autres. Ouais je suis fleur bleue, aucune histoire n'arrive à la cheville de la nôtre. On ira, on suivra les étoiles et les chercheurs d'or. Si on en trouve, on cherchera encore. Avant toi, je tournais en rond. Suivra les étoiles. Suivra une étoile filante. Avant toi, je tournais en rond. Suivra les étoiles. Paraît que le monde est dur. Le monde est dur. Burnout, j'suis dans le burnout. Une étoile filante. Avant toi, j'tournais en rond. Burnout. Une étoile filante. J'suis dans le burnout. Paraît que le monde est dur. Suivra les étoiles.
Downsbury Radio. Et voilà, chers auditeurs, on est de retour. On vient de s'écouter à l'instant Monsieur MK avec Étoile. Yes. Et ça, c'est vraiment le... Il faut rendre à César ce qui lui appartient. L'inspi, elle vient super fort d'un rappeur de tournée qui est incroyable, qui s'appelle Youssef Swatz, qui lui est un rappeur. Enfin, c'est son vrai métier, quoi. Et lui, là, il a fait un son comme ça, un son d'amour sur ce genre de prod, dans un festival où moi, j'étais en première partie et lui, c'était la tête d'affiche. Et le gars est incroyable, il est trop fort. Et quand je l'ai entendu faire, ça faisait longtemps que je cherchais à faire un truc un peu comme ça, avoir une identité particulière sur un morceau un peu d'amour. Et quand lui, je l'ai vu faire sa chanson à lui sur scène, je me suis dit, ah, il faut trop que j'aille vers un truc comme ça, parce que le gars est trop chaud. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller l'écouter, il est incroyable. Bon, on ira l'écouter, on ira découvrir ça. C'est très très chaud. T'as été lui parler après? Ouais, super super accessible en plus, le gars. Ouais. Alors que il a fait l'ancienne Belgique en sold out, il a fait plein de choses, donc il est déjà bien établi. Mais ouais, même dans les backstage, super super chill, le gars, super accessible. T'es toujours en contact avec lui? T'as donné vite des fait, conseils sur Insta vite fait maintenant. Maintenant, voilà, je fais pareil, je fais pas le forceur, donc on n'est pas vraiment en contact, mais... Bah, que t'aies demandé, genre, c'est, à savoir si tu l'aurais composé un peu avec lui ou sous ses conseils ou... Non, on n'est pas proche à ce point-là. On sait jamais, on découvre. Une petite amitié va arriver à ce moment-là, tu vois. Peut-être un jour, on sait pas. Non, on sait pas. Tout va bien pour toi au sein de l'émission? Ouais, c'est nickel. C'est t'es nickel, à l'aise, ça va? Merci beaucoup. Ouais, super. Généralement, on met les gens à l'aise, mais apparemment, t'étais pas stressé quand t'as. Non, ça va, tranquille. Bon, bah, il a vu les deux arguments, il a dit il peut rien m'arriver de pire. Tranquille. Et ben, on va rentrer dans la partie jeu, puisqu'on va voir d'ici quelques instants le jeu rappeur ou jazzman. Okay. Donc je vais simplement donner des noms, il va falloir ça deviner s'ils sont jazzman ou rappeur. Okay. Bonne réponse. Alors du coup, je passe au suivant. Ça, c'est une blague que je fais tout le temps. Et je propose que, puisqu'on va parler jazz et rap, on va s'écouter une musique de toi qui combine les deux, puisqu'on va parler de la musique que tu as appelée tantôt Birdland. Yes. Qui combine bien jazz et rap. Ouais, avec l'artiste Sakti. Sakti. Ouais, qui nous vient de Buenos Aires. Et on s'écoute ça tout de suite et on se retrouve. Restez bien avec nous, chers auditeurs. On arrive d'ici quelques minutes avec le jeu Rap ou Jazzman. Yeah. Ok, let's go. Get ready to fight with us. Up to Berlin where all our dreams come true. Let the music take you, hit the rhythm, hit the blues. Hear the fire, yeah, it's burning. Take the power, yeah, it's calling. Hear the melodies, it's transforming. Making everything from scratch. There's no time to doubt in this creation that is life. All we do is try to be better, to be stronger, to be wiser in the morning. You inspire me to keep going. It's the music in the air that fills the room with love. Like the rhythm through my veins, it never feels the same. Can't just look away. Oxmo, on s'en coule en BPM. Osmo, de Buenos Aires à Liège. Je suis dans le Berland où les rêves deviennent réels. Je suis dans la zone comme Benzema au Real. Auto, je suis dans la neuzo. Une note de sax, se chill avec le très haut. Je ne veux pas d'or, juste quelques quid. Monsieur MK, Miles Davis. La musique a soigné ma vie. Pour chaque joie j'ai un son, pour chaque peine aussi. J'ai épousé ma meuf, elle a épousé ma pluie. Elle me fait kiffer le soleil et apprécier la pluie. La musique a soigné ma vie. Pour chaque joie j'ai un son, pour chaque peine aussi. J'ai épousé ma meuf, elle a épousé ma pluie. Elle me fait kiffer le soleil et apprécier la pluie. Take me up to Berlin where all our dreams come true. Let the music take you, hit the rhythm, hit the blues. Hear the fire, yeah, it's burning. Take the power, yeah, it's calling. Hear the melodies, it's transforming. Take me up to Berlin where all our dreams come true. Let the music take you, hit the rhythm, hit the blues. Hear the fire, yeah, it's burning. Take the power, yeah, it's calling. Hear the melodies, it's transforming. Berlin dans la tête, faut innover. Bichère, faut coffrer des lovés. Lisa Stanfield m'a élevé. J'amène le bail au next level. Berland dans la tête, faut innover. Bichère, faut coffrer des lovés. Lisa Stanfield m'a élevé.
j'amène le bail au next level. Take me up to Berlin where all our dreams come true. Let the music take you, hit the rhythm, hit the blues. Hit the fire, yeah it's burning. Take the power, yeah it's calling. Hear the melodies, it's transforming. Et on est de retour, chers auditeurs. On vient de s'écouter à l'instant Monsieur MK avec Birdland. Yes, yes, yes. Donc le clip sort mercredi. N'hésitez pas à partager, donner de la force, tout ça, tout ça. Birdland, lâchez des vues, lâchez des commentaires. Vous connaissez, vous savez comment ça se passe. Alors moi, je l'ai écouté cette chanson et j'ai hâte de voir le clip parce que la chanson est super intéressante. Ah, cool, merci beaucoup. On va faire une vidéo réaction quand va. Ah, chaud. Non, je suis preneur. Hein, après, on fait de la ASMR. On va se mettre dans tout au final. Après, on va faire recette pompette avec ça en fond. Tu vois, on va trouver. Alors, on a sur notre chat le Bullzor qui dit superbe cette chanson. Cool, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc voilà, t'as déjà un nouveau fan. Yes, merci beaucoup. D'ailleurs, big up à DJ Kali. C'est lui qui met les scratchs, qui a repris les scratchs de Notorious Big à la fin. Oh. Et à Tony aussi qui a rajouté la guitare sur la prod. Donc voilà. Ouais, du bon son quoi. Ouais, merci. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'entend plus, j'ai l'impression, de scratch. Ouais, ça manque un peu. Moi, j'adore. Moi, je suis nostalgique, hein, donc ouais. j'aime bien qu'il y ait des scratchs, etc. Sur Étoile, il y en avait déjà aussi. C'était déjà Kali qui les avait mis. Ouais, ça fait partie d'une identité que j'aime bien remettre, ouais. Bah ouais, Linkin Park. Je suis pas dans la même identité, du coup. Non. J'aime bien, mais je peux pas. Non, mais je te dis, j'adore quand t'entends vraiment le... Enfin, c'est génial, moi j'adore. Tu le fais très très bien la voix. Ah, merci. Va à ton entraînement. Va à ton entraînement. Il fait que ça de sa vie. Hein. Il va plus à l'école, hein. Il fait que ça de sa vie. Il a arrêté de travailler pour ça. Hein. L'école, c'est devenu trop dur, donc. Non, mais il y a un potentiel. Il y a un truc potentiel. Ouais, ouais, je m'entraîne. Un jour, peut-être, je ferai l'intro de. Le Giga. Eh ben, en guise d'intro, moi, je te propose qu'on fasse un petit jeu. Hein? Yes. Oui. On va faire le jeu rappeur ou jazzman. C'est un petit jeu que j'ai inventé, donc d'ailleurs, ça c'est cool. Okay. C'est très simple. Je vais donner le nom d'un artiste, connu ou non. Ok. Ou du moins qui a essayé de se faire connaître à un moment donné. Et il va falloir deviner si l'artiste est tout simplement un joueur, un chanteur de jazz ou un rappeur. Ok. Voilà, donc j'ai pris des noms qui sont pas trop connus. Parfois, certains sont un petit peu connus, mais c'est fait exprès. Ok, on va voir. Notorious Gros. On n'est pas loin, en plus. Il y en a un qui est pas trop loin, en plus. Oui. Connu Alors, Gros. Connu Gros. Premier nom, Steve Lacy. Jazz ou rap? Jazz. Ouais, moi je dirais jazz aussi. C'est un nom de jazzman, ça. C'est un nom de jazzman. C'est un guitariste bassiste californien. Ok. Alors, il n'est pas hyper connu. Il commence seulement à décoller, mais il est bon. Si vous avez l'occasion de l'écouter, cool. C'est bon. Big Brother Akim. Rap. Ça sent le piège, ça. C'est un jazzman. C'est trop un nom qui fait rappeur. C'est sûr, c'est un jazzman. T'as voulu piéger. Oh, moi, je rentre dans le piège, mais avec les deux pieds. C'est sûr, c'est un jazzman. Eh non, c'est Asketil qui avait raison. C'est un rappeur français. J'ai cherché le piège, en fait. Qui est fondateur du groupe Jungle Ala et qui mélange justement rap et jazz. Ah, okay. C'est un des premiers rappeurs qui avait mélangé rap et jazz et soul. On a gagné tous les deux. Plus ou moins, alors. Un partout. À partout. Fais gaffe, je suis complète à mort. Non, c'est pas pour ça. On va changer de jeu. Alors, on va jouer au hypoglouton. On va casser le truc.
De troisième nom, Cop Johnson. Johnson, moi j'irais rap. Rap, jazz. Eh ben, c'est un rappeur. Ah. C'est un tout jeune rappeur toulousain qui est notamment connu pour avoir fait le son son hit Gilet Jaune. Ah ouais, je vois. Moi, je vois pas. Si, je vois. Il avait été opportuniste. Et ouais, il a bien profité du truc. Il a cherché le buzz un peu. En même temps, dans un sens, c'est ce qu'il faut faire. Mais ça dépend. Je sais pas. Si tu te respectes. T'es pas trop dans l'opportunisme, toi. Tu préfères avoir tes propres textes. Ouais, non, c'est pas ça. Si tu veux vraiment donner de la force au mouvement Gilets jaunes et que tu fais ton titre pour ça, c'est cool. Si tu te dis juste, on parle que de ça, donc je vais faire un titre pour aller chercher des vues, t'es un bâtard un peu quand même. Léger. Ça dépend de l'intention avec laquelle ça, tu le fais. Ça dépend. Et pourquoi tu fais du sang, quoi, mais bon. Attention, nom suivant, Morphine. Rap. C'est rappeur, ça. Eh ben non, c'est un groupe de jazz. Oh merde. C'est un groupe de jazz et de rock alternatif. Ok. C'est un cool nom. Et franchement, c'est pas trop mal. Le groupe ouais, ça sentait un peu le nom des rappeurs, tu sais, les rappeurs SoundCloud, un peu les rappeurs, tu vois, genre Lil Nas... Non, c'est comment? Lil Nas X. Non, pas Lil Nas X, mais t'avais plein de Lil à un moment donné aux États-Unis. Ils avaient Lil Jon, Lil Wayne. Ouais, genre Lil Prozac, machin. Tu vois, t'avais tous des mecs comme ça de noms de médicaments. Tu vois, de Lil Cook, pour quelle raison? Je sais pas. Ça aurait pu. Ok. Jazz rock. C'est un groupe de jazz rock. Ok, cool. Ensuite, Guts. Guts. Guts, Guts. Guts. G-U-T-S. Je dirais rappeur, ouais. C'est un rappeur, c'est le beatmaker du groupe Ragasonic. Ah ouais, très chaud, Ragasonic, c'est à l'ancienne ça. Ça me dit quelque chose, c'est Ragasonic, quoi Ragasonic, ils ont fait un morceau avec NTM justement, je pense, si je dis pas de bêtises à l'époque. Je pense, oui. Je pense que c'est pointu comme une lame aiguisée comme un couteau. On je écoute tout de suite. Titre là, je suis pas sûr, bien, ouais. Spontanément je pense que c'est ça. C'est peut-être pour ça alors que ça me dit un truc. C'est possible, ils sont connus, Ragasonic, il y a 2-3 chansons d'eux qui sont très très connues. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est eux. Leslie Andom Jr. Jazz. Rap. C'est le jazz. C'est un chanteur de jazz américain. C'est dommage parce que j'allais dire, si jamais j'avais eu tort, je me suis dit, je repérais un truc qui fait que tu mens, c'est que t'as eu un petit mouvement de bouche. Mais comme j'ai eu raison, même c'est pas. Non, c'est même pas. Je sais pas. Je suis imperturbable. Ouais, poker face. Je poker souris face. Tout le temps. Bah, tu fais peur par contre. Arrête. Ah pardon, excuse-moi. J'enlève le sourire. Couper la cam comme ça, on coupe la cam, on pourra dormir cette nuit. Au moins comme ça, si elle bug, on n'est pas qualifié. Voilà. Allons-y, le... Oh, t'as la caméra qui bug, mais avec ton visage. Artiste suivant, Big Red. Rap. Ouais, ça sonne rap, ça. C'est rap, c'est le chanteur de Rapsonic et de Ragasonic. Ah ouais, donc, voilà. T'étais très branché Ragasonic quand t'as fait le quiz. Ben, c'est ceux qui avaient des... Comme ils s'inspiraient un peu du reggae et du jazz, ils avaient des noms inspirés de justement Jazz Manera. Il y avait la musique qui passait en fond, il avait allumé la radio, il attendait. Et le jeu de Big Greg, ça c'est pas mal ça. artiste suivant, Mazego. Ah non, ça c'est... Il est trop chaud, c'est du jazz. C'est du jazz. C'est incroyable. Un chanteur trompettiste jamaïcain de jazz. Trop chaud. Il est jamaïcain ? Il est jamaïcain d'origine, tout à fait. Je savais pas qu'il était jamaïcain. Il a fait un son il y a quelques années avec FKJ, qui est un producteur de musique électro français. Mais c'est super connu, ce son-là, ça s'appelle Tadow, T-A-D-O-W. C'est une dinguerie. Ah bah voilà. C'est magnifique. Allez, écoutez, quand je les ai fait, j'ai été écouté en disant ça, c'est marrant, je connais pas. Il est multi-instrumentiste en plus, il joue. Il fait trompette, sax. Clavier, batterie, il est hors norme. Il est bon, il est très très hors bon. Norme. Ouais, c'est vrai, t'aurais pu mettre Sting aussi. Il met un peu de jazz. Il a un peu de jazz, ouais, mais tu t'aurais trouvé tout de suite. Ouais, de toute façon, il est ni rap ni jazz. C'est pas un rappeur, c'est chaud. Ouais. Sting, jazz, et non, rap, c'est perdu. Quoi? T'as pas entendu la dernière où il rappe avec. De toute façon, lui, il est ni rap ni jazz, vraiment. Non, il est dans le rock, lui. Dans le rock pop, lui. Attention, Coupe. C'est du rap, non, ça, Coupe? Ah, jazz. Je sais pas. C'est du rap? Non, c'est du jazz. Attends, c'est quoi, toi? Vas-y, je dirais rap, mais je suis pas sûr à 100%. Rap, tu vas dans quoi? Je sais pas, je me dis jazz, quand même. Jazz? Eh ben, c'est un jazz. C'est un duo de jazz de Suédois. Je croyais que c'était francophone. J'avais déjà entendu ce nom-là quelque part, mais... Ben voilà, c'est jazz. Artiste suivant, Freeman.
Afreman, il fait partie d'IAM. Tout à fait, c'est le danseur et le rappeur du groupe IAM. Ouais, bien sûr. Rap, voilà, ça c'était le cadeau. Rap, rap. Ça, c'est ça. Bien sûr. Apollo Brown. Jazz. Ouais, c'est un bon nom de jazzman, ça. Jazz. Ouais, ouais, je dirais jazz. Ça. C'est un rappeur. Ah, merde. C'est un rappeur américain. Pourtant, il n'y a pas quelqu'un, un jazzman qui a un nom plus ou moins pareil. Bah, James Brown. Ben voilà. Ben, s'il n'est pas dedans. C'est plus un soulman, jazz. C'est vrai que c'est plus un soulman qu'un jazzman. Attention, artiste suivant. Sun Ra. Rap. Rap. C'est vrai que comme ça, je dirais plutôt rap aussi. Et c'est un jazzman. C'est un pianiste jazzman. On est nul, hein. Ouais, ça va encore, hein. Vous voulez des points ou... Ouais, je t'ai dit, je suis compète, moi. Je veux Tu veux des points? Je veux des points. Oh, moi, je fais juste ça pour le plaisir, donc... Moi, je veux les points. Ouais. C'est le côté prof qui ressort. Je veux savoir si je suis... Ah, t'as pas la moitié. Ah, la période, ouais, c'est ça. Je veux t'as savoir pas si j'ai la moyenne. Parce que tes élèves vont te cacher. Hein. Alors, nous avons 5 points pour Monsieur MK. Yeah. Et nous avons 4 points pour Asketil. Donc, c'est Monsieur MK qui gagne. Incroyable. Je suis sûr que t'as triché juste pour que je sois dans un bon mood. Non, j'ai calculé. C'est cool, c'est cool. Je suis dyslexique, mais j'ai calculé quelque chose. C'est cool. J'espère juste que c'était un 2 et pas un 4. Et ben voilà, c'était le jeu rappeur ou jazzman. Cool. Et un autre jeu après? Alors, il y aura encore un autre jeu, il y aura un quiz de culture générale après. Ouais. Mais avant ça, on va se faire une petite pause musicale et on va surtout avoir le freestyle de Monsieur MK. En attendant, je propose qu'on se fasse une petite pause musicale où on va s'écouter Monsieur MK avec Go Get Hit. Ouais, c'est l'ancien titre, celui-là. Et il a été renommé Mission. Donc sur Spotify, vous le trouverez sous le nom de Mission. Mais c'est moi, quand je te l'ai envoyé, c'était encore avec l'ancien titre. C'était encore avec l'ancien titre, ouais. On va corriger. Et c'est un featuring avec un gars qui, lui, pour le coup, vient de la Barbade. Mais quand tu l'entends sur le titre, tu dirais que le gars vient... vient du hood new-yorkais, il est trop chaud, il s'appelle Graf, et voilà, big up à lui. Et la prod, c'est d'un mec d'Allemagne qui est méga chaud aussi. Donc voilà. Bien international, hein. Oui, yes. C'est pas mal. Et ben, je propose qu'on s'écoute ça tout de suite. Ok, let's go. Dans une favela, troisième EP, vas-y fais le NYC, California. J'm'en bats le BPM de l'instru de Zola, remets-moi du MC Solar. J'veux des gars qui écrivent comme Zola, j'veux l'ambiance du Saiyan Super. J'veux Michael, un Moonwalker, un Pepsi Cola. J'veux un mélange de Kerry, de Biggie et d'Alia. J'ai des gars de partout, j'peux mélanger les gens. J'veux mélanger les gens, j'veux les Jay-Z en blanc. Yeah. I go and get it every day, I get the money stacking. I ain't with the talking, nigga, more about that action. More about go out there and make something happen. Need them dollar bills, yeah, I need them checks cashing. Million dollar dreams, but you never catch me sleeping. Putting in the work and the money is the reason. Waking every day, but we party on the weekend. You niggas think you're stopping me, boy, you must be tweaking. Yo, go get us. Toi on est en mission. On n'arrête pas le bail, il reste de l'ego et de l'ambition. Never falling off, staying focused on the vision. If you won't understand me, nigga, better listen. J'avais le flow du perdant, maintenant je vise les trophées. J'gratte des textes toute la nuit pour fitter avec Morphée. Think I'm falling off, I'ma quit, yeah, hopefully it's all I do is spend bread, nigga, getting more cheese. Go get us, poto, on est en mission. On n'arrête pas le bail, il reste de l'ego et de l'ambition. Never falling off, staying focused on the mission. If you don't understand, stand, nigga boy, you better listen. Go get us, poto, on est en mission. On n'arrête pas le bail, il reste de l'ego et de l'ambition. Never falling off, staying focused on the mission. If you don't understand, nigga boy, you better listen. Yo, lunchtime in the booth, homie, time to eat. Yeah, I rip the track, nigga, know I bring the heat. It's Montsor, nigga, MK on the beat. Punchlines hit a nigga, chip a nigga teeth. Blow that money fast, but it's still coming faster. They don't understand all these goals I've been after. Every day I'm moving on to a new chapter. And I'ma keep it real, nigga, never was an actor. Tu veux percer dans le game, le terrain est miné. Font des hits avec des textes de merde, Bernard Minet. Couvrant, Juni, Lugan dans le mille. MK, Graf,
Wanda Miller. Bass bumping in the trunk, make your chest vibrate. Name somebody else, do it better, nigga, I'll wait. They don't understand all the money that I make. Keep the paper coming in, nigga, at a high rate. Go get us, transcend us on a mission. Never stopping, know we full of hustle and ambition. Never falling off, staying focused on the mission. If you don't understand, nigga, boy, you better listen. Go get us, put on en mission. On n'arrête pas le bail, il reste de l'ego et de l'ambition. Never falling off, staying focused on the mission. If you don't understand, nigga, boy, you better listen. Je fais le plot du perdant, maintenant je vise les trophées. J'gratte des textes toute la nuit pour fêter avec Morphée. Yo, that's one soir. One soir. MK on the beat. Yeah. And you know what it is. You know what it is. Yeah, yeah. Woo. Let's go. We at this every day, man. Every day. Et voilà, nous sommes de retour, chers auditeurs. On vient de s'écouter à l'instant Monsieur MK avec Mission. Yay. La nouvelle version de la chanson. 2.0. Ouais. Et alors, du coup, maintenant, Monsieur MK, on va passer à un moment un petit peu plus sérieux et un petit peu plus entraînant. Yeah. On va parler de ton freestyle. Tu vas nous lâcher un petit freestyle ? Ouais, c'est un son là, que je viens de sortir justement sur Spotify. Donc, c'est mi-cover, mi-freestyle. Donc, j'ai repris le son Waves de Mr. Probs, qui est un son électro, je sais pas, qui date d'il y a quelques années. Et j'ai trouvé un producteur qui s'appelle Lofi Dealer, qui l'a fait en version Lofi. Et j'ai posé un couplet dessus. Et donc, voilà. Nickel. Voilà. Et donc, on va partir sur la musique de Waze. Ouais, c'est la version, tu vas voir, c'est la version lo-fi, je sais jamais trop où il faut mettre l'accent. Donc, un peu plus chill du morceau avec le refrain. J'ai gardé le refrain à l'original et puis j'ai mis un couplet un peu freestyle au milieu. C'est comme en fait Birdland. Je l'ai pas mis vraiment dans le projet même parce que, comme c'est un freestyle, ça colle pas vraiment au projet, mais je voulais le mettre en annexe. Parce que comme c'est un projet qui est assez personnel en termes de texte et de DA, et que j'ai commencé la musique en faisant partie d'un groupe de cover, c'était cool pour moi aussi de faire un clin d'œil à ça avec ce titre-là, quoi. Et c'est pour ça qu'il est plus considéré comme un freestyle que comme un titre à part entière de l'EP, quoi. Ok, donc c'est vraiment c'est ton univers et c'est vraiment... Ouais, c'est ça, c'est ce que j'aime bien faire. Et puis c'est ce que je préfère faire, moi, en vrai, dans la musique. C'est genre, je mets une prod et puis je crée des textes... tout seul chez moi avec mon chat, tu vois, c'est ça que j'aime bien faire dans la vie. Ouais, c'est ça vraiment le mood, c'est ça le mood, donc voilà. Et ben dès que t'es chaud, on lance la musique. Vas-y, et c'est parti. Ça, on lance. Ouais, vas-y. Moi je prends mon coca, voilà, et Pepsi, Fanta, ouais, pour les autres. Ouais, voilà, coca, plateau, sort ton verre, mets le Pepsi. Ça c'est quoi? C'est de l'eau. C'est Ikea, ça. C'est Ikea. Quand voilà. Tu veux. Attention, c'est parti. Yeah. Je peux avoir la prendre un tout petit peu plus fort dans le casque. Ah cool, merci. Yeah, yeah. My face above the water. Above the water. My feet can touch the ground. Touch the ground and it feels like I can see the sand on the horizon. Every time you are another one. J'ai chuchoté des mots durs et hurlé des mots tendres. J'ai pleuré sur du rap, dansé sur de la Motown. J'ai sorti des nouveaux textes, j'y ai mis toute ma plume. Je vais sortir un EP, j'y ai mis toutes mes thunes. Ils rappent tous pour que ça paye. 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 Je sais pas qui écoute mes histoires. J'ai trop de textes en tête.
J'écris les formules dans le grimoire. La vie est une fête. En fait, je suis grave heureux, mais quand j'écris, tu crois que je suis triste. En fait, si la vague cible, si la vague vient, je l'anticipe. En vrai, les joies sont là, il suffit juste de les prendre. En vrai, 2023, j'entends le Pearland et ça fait. My face above the water. My feet can touch the ground, and it feels like you. I can see the sun on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away. 2023, j'entre dans le Pearland. Yeah. Away, drifting away. 2023, j'entre dans le Birdland. Yeah. Ouais. Alors, franchement, ça m'a fait marrer au début. Parce que quand t'as pas la musique, c'est totalement différent. Ah, forcément. Ouais. Mais ça fait bizarre. Et du coup, j'étais là et je dis je vais peut-être mettre le casque. Forcément. Oui. Surtout si le refrain, quand je mets que les bacs, t'entends pas la musique qu'il y a derrière, c'est chelou, ouais. Ouais. Bah moi j'ai bien aimé. Ouais, cool, j'ai bien aimé aussi. Merci, les gars. Ouais. Merci. C'était sympa. C'était. Ouais. Ça fait toujours barrer le côté. Du coup, tu vois, ça fait peur de chanter a cappella. Faudrait que j'essaie de chanter une fois sur une. Non, c'est moi qui réfléchis en même ça temps. Ça serait plus simple. Enfin, en vrai, a cappella, ouais. Je pense que c'est plus simple ici. Parce que là, t'as un tout petit décalage en ta voix et la prod dans le casque. Mmh. Donc en vrai un freestyle à cappella je pense que c'est plus simple que, ouais. que sur une prod ouais. Je sais pas, je sais que en fait j'ai l'impression que quand tu fais un a cappella t'es obligé aussi de jouer un peu l'instru on va dire avec ta voix ou c'est vraiment. Non ça dépend des mélodies que tu fais tu vois. Tu vois si par exemple un des morceaux qui va passer après c'est God Bless. Tu vois si je te fais le début en a cappella je peux mettre une rythmique un peu dans les mots tu vois ça fait J'aime les mots depuis que je suis môme, comme un mélange d'émotions. Les mots sont une liberté, une trace de nous, une mise en abîme. Thérapie musicale en décalage avec la marche suivie par les psychiatres de la rime. Marre du rap de contrefaçon, c'est la musique qui me fascine. En live, j'ai vu comment vous ressentiez mes mots sur un son. Parce que mes mots, c'est mon sang, je peux crever sur scène comme mot. Lire le rap à soigner mes mots. Hier, je pose avec la manière, non. Je suis pas moderne, en vrai, je suis bon qu'à faire du boom bap. Paradoxe, je rappe tous les jours, mais j'écoute plus de rap. Je suis un rappeur de microcosme. Comme Ayam, je mesure les dégâts que mon micro cause. Tu vois, tu peux, tu peux amener des petites mélos à la voix, même en acap en fait. Mais c'est ouais, mais t'es obligé, on va dire, de faire un peu. Ou t'es pas forcément obligé de faire un peu mélo. Si tu fais en fait, alors forcément, si tu débites le truc avec zéro intonation et zéro flow en acapella, ça va là, pas te parvenir. Ouais, t'es obligé de. Quand t'as pas le sens du rythme, de sa rage marche aussi ou. Disons que si t'es tout seul et que t'as pas de prod, si t'as pas de sens du rythme, au moins tu seras pas hors temps. Ah, c'est pas faux. Tu vois. Parce que. Ça existe des temps de 32 tempo. Ouais. Maintenant, ça existe. Le truc, quand tu kicks, généralement, t'essayes d'être sur la snare de la prod. Là, si t'as pas la snare, bon. Les gens qui ont un peu l'oreille musicale vont se dire même en acap c'est pas terrible mais tu serais moins être hors temps s'il n'y a pas de temps qui sont écoutables. Alors même quand je chante pas les gens disent que je suis pas dans le temps hein, donc Le pire c'est que j'ai un flash de donc il y a pas longtemps bon il va rigoler je suis allé au Vietnam et là-bas j'ai dû chanter aussi devant des gens j'ai pas du tout le rythme musical et du coup tu connais la musique Lemon Tree. Ouais. Ben, j'ai essayé de la chanter, sauf que ben, du coup, j'ai pas le chant qui passe en même temps devant des gens, et je devais me baser sur la musique pour savoir quand est-ce que je devais commencer. Ouais, j'ai raté plusieurs fois le coche, hein, t'inquiète pas. Hein. De toute façon, au Vietnam, ils boivent tous de la bière de rue, là. Voilà. Ils t'ont pas trop entendu, je pense. Non, bon, ça va. Ça le rassure. Je crois qu'il y a 2-3 personnes qui ont essayé de m'applaudir, etc. Je leur dis, ouais, c'est pas mal. Et je n'osais pas le regarder, tu vois, enfin, j'étais gêné, c'était horrible. Et eh ben après ce freestyle, je propose qu'on continue dans l'univers musical où on va encore s'écouter, comme tu l'as dit, God Bless, dont le clip est sorti. Ouais, clip réalisé par Ali, à l'image, que vous pouvez retrouver sur Instagram, super gars. Et clip dans lequel en fait l'objectif de ce morceau, c'est vraiment de mettre les femmes à l'honneur. C'est un morceau, en fait, c'est un morceau féministe sans l'être vraiment, mais juste avec des punchlines qui renvoient à une notion de féminisme, parce que moi j'ai beaucoup été entouré par des femmes et beaucoup été élevé par des femmes aussi. Et donc dans le clip, c'est plein de potes à moi et de potes de ma femme qui sont venus
très sympathiquement en tant que figurante. Et le clip est vraiment concentré autant sur elle que sur moi, en fait. C'était vraiment l'idée du truc, en fait. Pour la femme. Ouais, c'est ça. Bah, juste, ouais. Surtout qu'il y a toujours un peu ce cliché que je trouve pas forcément fondé. Que le rap, c'est une musique qui est majoritairement machiste, sexiste, et qui véhicule des clichés un peu sexistes et tout. C'est partiellement vrai avec certains artistes. C'est vrai dans le sens où beaucoup de rappeurs qu'on met en avant ce genre de discours, mais il y a plein de rappeurs derrière qui n'ont pas eu tout ce discours. Toi. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, genre en 2023, en fait, écouter du rap, c'est comme écouter de la pop, et en fait, tu peux vraiment aller trouver le genre de truc. C'est devenu tellement large qu'en fait, parler de rap, ça veut plus vraiment... Enfin, ça veut plus rien dire, c'est comme parler de rock en fait. Tu vois, quelqu'un va dire, ah, t'écoutes du rock, mais en fait, c'est. Tu vois, c'est comme tu disais tantôt, t'as différents styles. Enfin, tu vois, les Red Hot, c'est pas le même rock que AC/DC, c'est pas le même rock que. Et donc, forcément, dans les discours, dans ce qui est proposé, dans les instrus, dans les ambiances, en fait, maintenant, tu peux vraiment aller chercher. Donc, oui, souvent, les mecs un peu mainstream, tu vas retrouver certaines formes de discours un peu comme ça. Et donc, là, c'était l'idée, en tout cas, de prendre le contre-pied un peu de ce truc-là aussi et de. D'avoir aussi un autre discours par rapport aux meufs, quoi. Et puis parce que simplement, moi, les femmes sont super importantes dans ma vie et dans mon développement personnel, donc c'était un peu ça l'idée de ce morceau-là, quoi. Ça faisait partie de l'idée. Ouais, clairement, c'était vraiment, quand j'ai écrit ce morceau-là, c'était vraiment comme une ode, sans être un morceau féministe, parce qu'elle parle pas que de ça, mais d'avoir des punchlines, en fait, qui renvoient vraiment à ces questions-là, quoi. Eh ben, on va s'écouter ça tout de suite avec God Bless. One thing I noticed about myself when I think, you know, thoughts is powerful. Because even my career, even my life, you know, things end up turning out exactly how I visualized them. Not in this time frame I expected. You know what I'm saying? You always want shit to happen overnight. Mm-hmm. But, you know, I just had clear visions. J'aime les mots depuis que je suis môme, comme un mélange d'émotions. Les mots sont une liberté, une trace de nous, une mise en abîme. What? Thérapie musicale en décalage avec la marche suivie par les psychiatres de la rime. Marre du rap de contrefaçon, c'est la musique qui me fascine. En live, j'ai vu comment four sentir mes mots sur un son. Parce que mes mots, c'est mon sang, je peux crever sur scène comme mot. Hier, le rap a soigné mes mots. Hier, je pose avec la manière, non. Je suis pas moderne, en vrai, je suis bon qu'à faire du boom bap. Paradoxe, je rappe tous les jours, mais j'écoute plus de rap. Je suis un rappeur de microcosme. Comme Ayam, je mesure les dégâts que mon microcosme. J'ai trouvé un bail dans lequel je suis chaud. Goku, Vegeta, fusion. Que Dieu veille sur les femmes qui m'ont éveillé. J'étais censé perdre, je fais que gagner. J'ai trouvé un bail dans lequel je suis chaud. Goku, Vegeta, fusion. Que Dieu veille sur les femmes qui m'ont éveillé. J'étais censé perdre. J'suis mélomane, donc j'peux pas vivre sans le son. J'aime les belles choses. Donc je peux pas vivre sans le sou, je suis un homme. Donc je peux pas vivre sans le seum, je suis un artiste, hein. Donc je dois rester sensé, redoutable sur scène, Cersei sur le trône de fer. Je retrouve l'inspiration après un showcase, la cerise sur un dessert. Vintage comme Sega, pas comme Sega que t'écoutes. Pas besoin d'une Rolex pour voir que le temps s'écoule. Je regarde le temps qui nous sépare, j'entends la poésie des notes. Comme un jazzman qui fait du rap dans la norme, je dénote. À 5 ans de la quarantaine, j'ai toujours pas de gosse. Et on s'intéresse moins à l'état du monde qu'à des gossip. La musique angélique, comme un putain de gospel. God bless, le rap est plus qu'une fame. Que Dieu bénisse les femmes. Tu veux voir la faiblesse? Regarde un gars dans les yeux. Derrière chaque grande femme, y'a un mec qui fait ce qu'il veut. J'ai trouvé un bail dans lequel je suis chaud. Goku, Vegeta, fusion. Que Dieu veille sur les femmes qui m'ont éveillé. J'étais censé perdre, je fais que gagner. J'ai trouvé un bail dans lequel je suis chaud. Goku, Vegeta, fusion. Que Dieu veille sur les femmes qui m'ont éveillé. J'étais censé perdre. Tellement old school, old school. Y'a un troisième couplet, la route du bonheur c'est tout droit dans une Mercedes coupée. Nain, arrêtons le mensonge, laisse passer évaporer ton bonheur avec la part des anges. En aparté qui va t'aimer à part toi, qui va t'aider à part toi, qui est comme toi à part toi. Je suis une prod de Jay-Z avec un texte de Mélanie. 2023 on juge encore sur ta mélanine. J'ai pas fait le concert, va voir, je veux vivre d'eau fraîche et de concert. À toi tant qu'il est chaud, va te faire penser, c'est bien, c'est mieux de le faire. Mon rap est trop scolaire, le leur devrait prendre des cours. Ma musique est trop solaire, de la poésie est des coups. Je veux la vista 2D, comme mes rêves sont usés comme ma passion du rap. Je vieillis bien entouré, choisis mes relations durables. Le monde est stone, je suis un privilégié. Mon équipe est stable, je suis un privilégié.
J'ai trouvé un bail dans lequel je suis chaud. Goku, Vegeta, fusion. Que Dieu veille sur les femmes qui m'ont éveillé. J'étais censé perdre, je fais que gagner. J'ai trouvé un bail dans lequel je suis chaud. Goku, Vegeta, fusion. Que Dieu veille sur les femmes qui m'ont éveillé. J'étais censé perdre, hein. Et voilà, on est de retour. On vient de s'écouter à l'instant God Bless de Monsieur MK, donc yes. Chanson très parlante. Ça va toujours avec nous? Ouais, nickel. Pour ceux qui iront voir le clip, il y a un fun fact de coulisses, c'est que de base, on voulait faire le clip dans un urbex. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que c'est, les animations. Parce qu'il était magnifique, près des Y. Et en fait, on s'est fait griller en plein début de clip, donc on a dû trouver un plan B. Okay, on a passé toute la journée, on est rentré dans l'urbex, il y a des alarmes qui ont commencé à se déclencher, on a fait hey, merde. Ouais, je te jure. Donc on a dû trouver un plan B, mais finalement c'est cool, le plan B est vraiment joli. Oh, le plan B dans la nature est super beau. Ouais, le résultat est vraiment très cool, donc voilà, allez checker. Ah. On avait un bel urbex ici aussi, mais il est abattu, je pense. Oh, mais c'était vraiment une ferme, mais il y avait encore tout à l'intérieur, tu vois, ils avaient tout laissé. C'était génial. C'était vraiment le plan A, mais il n'a pas pu aboutir. Ah ouais. Mais toi aussi, quand tu fais du urbex, tu vas le soir, quoi, il fait nuit Bah non, parce que là... Avec pour tourner un clip, c'est chaud, quoi. Ouais, non, mais de base. Ah non, moi, j'y vais que pour clipper. Ah. Non, ouais. Parce que c'est encore plus marrant, la nuit, surtout quand t'es que deux. Enfin, quand t'es que deux. J'y vais que... Parce que là, c'était le côté... c'était un urbex dans la nature, donc t'avais le côté... urbain et t'avais en même temps le côté nature qu'on voulait avoir dans le clip. Bon, finalement on a fait que le côté nature, c'était cool aussi, mais... voilà. C'était bien aussi. Je suis super content du résultat. Je connais peut-être cool. Un endroit du côté de Charleroi, hein. T'en connais plein, toi. non, pas tant que ça, je sais pas. À Charleroi t'as des rues, tu fais 100 mètres, t'as 5 ou 6 usines désaffectées, c'est bon, hein. Oh, c'est vrai, près de la baraque à frites Robert là. C'est vrai qu'il y avait une belle maison abandonnée. Je sais pas si on savait rentrer dedans, mais elle était bien abandonnée. Hein. Pourtant, c'est un endroit où tout le monde passe. Hein. Eh bien, chers éditeurs, on va passer d'ici quelques instants au quiz de culture générale. Okay. Un quiz de culture générale basé sur le jazz et le rap. Ok, ok. Donc, on va passer à ça d'ici quelques instants. T'inquiète pas, tu vas gagner. La culture générale sur le rap... Bah, j'espère que ce sera mieux sur les chansons tantôt, hein, parce que... Et j'ai trouvé deux, hein. Ouais, le trois quarts, c'est... Je connais pas. Bah, tu m'étonnes. Ça va, c'est bien, j'ai pas trop de pression comme ça, c'est cool. Oh, t'inquiète pas, tu vas gagner facilement. Cool. Avant de passer, du coup, au quiz de culture générale, on va encore s'écouter une musique de toi. Alors, une musique avec Lex. Ouais. The End Test. Ouais, c'est The End. Le titre, c'est The End. Et... Ah mince, j'espère que je t'envoie la bonne version du coup, mais je crois que oui. J'espère que j'ai pas l'enregistrement MP3. Non, je pense que normalement il est ok. Et ouais, Lex, c'est un mec qui pour le coup c'est aussi un feat international. J'ai voulu en faire beaucoup sur cette EP-ci parce que j'avais beaucoup featé avec des mecs de Liège avant. Enfin, beaucoup. J'avais featé avec des mecs de Liège avant, notamment Fizz qui est un artiste incroyable et qui a une connexion de Liège que je big up, avec DJ Braco que je big up aussi, qui est un ami à moi et qui est mon DJ sur scène. Mais là sur l'EP je voulais un peu étendre à d'autres univers, et donc lui pour le coup, vu que Birdland c'est un hommage à nous, à quand même à une certaine forme de musique new-yorkaise, lui c'est un MC de New York pour le coup. Oh, ok, donc voilà. Pas mal, bon, on va s'écouter ça tout de suite avec The End, du coup Lex avec Monsieur MK. Birdland.
Yo, what's best confirmed? I reckon to the scene, I seen to be insane. Will it be a scene if I'm seen? It's the same with his low class rappers, they all seem the same. My pain game insane, it just came with flames. You running out of bars like Andy Dufresne or Schofield, Ho Chi, I flow tighter. I'm on fire off the top, Ghost Rider. J'ai trop de gimmicks en tête, je veux monter jusqu'au sommet. Je veux pas vendre mon art, mais que ma musique soit consommée. Ne rêvons pas trop petit, on a que les limites que l'on se met. Trop souvent quand je parle à quelqu'un, je me dis damn, il est consommé. Je veux fitter avec tout le game de NYC à Londres. Je m'en fous d'être dans la lumière comme Renault, je marche à Londres. Je crois qu'on est tous ouf, parfois à notre insu. En vrai, la vie est belle, faut juste la bonne instru. Avant, je parlais du monde, je ne parle plus que de moi. Merde, tu es égocentrique comme une bonne meuf d'Insta. Nos vies sont instables, j'aimerais remplir un stade. En vrai, je m'en fous des stades, même je passe encore un. I know you know like a thing or two. But do you know just a thing to do? You've been on the road for a minute now too. Trying to get the answer if you make it to the end. I know you know like a thing or two. But do you know not to get it confused? Heaven only help if you love yourself. You're the only one to answer if you make it to the end. I'ma keep spitting this hard even if I didn't hand it down. But I gotta hand it down, gotta let it shine. So I know the kid from Bunny now when it's time. I keep my house behind me like a lantern sign. I know I'm a star in time. You gotta know this too, know this you. Don't understand, don't even know the moves. Yo, it's cool, I am the man. I gotta be the man, been away since elementary school. Now I need a plan, I put a flag in my lyrics. It's Peter Vivid, storytelling, spitting it. I leave it, my delivery. Really believe it, you won't believe it. So I just keep it, locked inside of the cranium of my spirit. J'suis pas sur cette art pour être riche ou essayer. Les miens ne pensent qu'à mailler. J'remplis les pages du cahier. Je suis fort dans ma tête, dans mes textes et sur scène. Écrire c'est ma vie. Il est temps que je l'assume. Je me soigne par du love et des textes pleins d'insultes. Ce game me fait planer plus que n'importe quel stu. La compète c'est pas mon truc, je suis un artiste, pas Zlatan. Si tu ne penses qu'à ta tête, viens pas manger à ma table. J'taffe avec les miens et les caries, je suis Omar Sy. MK, j'kiffe ton flow. Oh merci, j'aime la musique est vite fait. Quelques personnes, certains visent la lune. J'vise le moonwalk, Michael Jackson. I know you know like a thing or two. But do you know just a thing to do? You've been on the road for a minute now too. Trying to get the answer if you make it to the end. I know you know like a thing or two. But do you know not to get it confused? Heaven only help if you love yourself. You're the only one to answer if you make it to the end. If you make it to the end, if you make it to the end. Raspberry Radio. Et on est de retour, chers auditeurs, après avoir écouté Monsieur MK et Lex avec The End. Ouais, big up, j'ai oublié de le big up sur ce morceau, c'est DJ Kali à la prod, pour le coup, donc c'est de Liège à New York. De Liège, un beau truc. Je propose de passer à notre dernier jeu de la soirée, parce qu'il est déjà 21h15. Ok. Donc on va passer au dernier jeu, qui est un jeu de quiz de culture générale basé sur le rap et le jazz. Ok, chaud. Et sur la musique en temps général. Mais bon. Ok. Moi, je fais le public. Ouais, je soulèverai un petit panneau applause. Ouais, c'est ça. Nice. Eh ben, sa première question, elle est pour toi, Scottil. On va voir si t'as bien écouté. Linkin Park. Selon toi, si tu te rappelles ce qu'a dit Monsieur MK en début d'émission, qui est Charlie Parker? Attends. Ah voilà, allez hop, toi t'es bon pour le quiz. Alors, on passe à Monsieur MK. C'est pas. Attends. Il a dit tout à l'heure, il a donné la réponse tout à l'heure. Mais tantôt, je sais que t'avais parlé, mais j'ai pas retenu le nom d'une personne que tu adorais aussi. C'est quand même moi, Charlie Parker, je sais même plus ce que j'ai dit dessus. Ok. mais ouais, je sais plus exactement si c'était, mais c'était une personne que t'aimais bien, une des premières. Je sais plus pourquoi on en parlait de ça. Moi, je sais plus. Présentation. Quand tu te présentais. C'était par rapport à Birdland. Ah ouais. Ouais, non, c'est Chet Baker. Ouais, Chet Baker, pardon. Chet Baker. Chet Baker, mais son vrai nom c'était Charlie. Ah ouais. C'était Charlie Parker, Chet Baker. Ah ouais, ok. Alors, c'était qui? Ok, c'est pas la personne de tournée chez qui tu t'es inspiré? Non. Pas du tout. Du tout, je suis même pas sûr qu'il est encore vivant. Non, il est plus. Il est mort il y a des années quand même. Ouais. Non, parce que. Ah non, c'était pas celui-là, c'était. Attends, parce que. Il y avait une inspiration aussi.
Ouais. Une inspiration. C'est pour son style musical alors. Oui. D'office. Oui. Ça joue. C'est le gars qui a joué dans le club à New York qui s'appelle Birdland. C'est le musicien en fait, un des musiciens qui a joué dans ce club-là. Chet Baker qui est un grand jazzman. C'est un grand jazzman emblématique, yes, qui est le créateur du bebop, qui est un style de chant jazzman, notamment dis, utilisé par le public. Mais en gros, Chet Baker, il est trop fort parce que c'est méga accessible. Genre le jazz, ça peut être super. Enfin, moi, il y a plein d'artistes de jazz que j'ai pas encore l'oreille assez éduquée pour les apprécier. Mm. Et lui, c'est une super porte d'entrée en fait, parce que c'est super mélodieux. Mm. Et alors, tu sais pourquoi le nom le Birdland? Non, il y a plusieurs références, je sais, mais pourquoi le club s'appelle le Birdland, franchement, je sais pas. Eh ben parce qu'en fait, de Chet Baker, son surnom était Bird. Ouais. Parce qu'il avait un chant d'oiseau et donc c'était le pays de Bird. Eh ben je savais pas du tout. Bah voilà. Trop donc, bien. Je te donne une petite fake. Hein, cool, une petite cool, news. Cool. J'ai une petite fake. Petite fake. C'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai. Mais... C'est totalement vrai. C'est totalement vrai. C'est une vanne. Son surnom en fait c'était Birds. Ah ok. L'oiseau parce qu'il chantait comme un oiseau et du coup on a appelé la boîte Birdland dans son hommage. Trop bien. Je savais pas du tout. Trop bien. Question suivante qui est question sur le rap. Je vais donner trois noms de freestyle. Et parmi ces trois noms de freestyle, il y en a un qui n'existe pas. Ok. Alors, on a Bouska Roostop, Bouska MVP et Bouska New York. Le premier. Non, c'est Bouska New York, il n'existe pas. Donc, Bouska New York, toi, tu dis le premier Bouska Roostop. C'est Roostop? Bouska Roostop ou Bouska Rooskov? Bouska Roostop. Non, moi je pense... C'est quoi Bouska? Bouska, c'est de Bouskapé. Bouskapé, c'est le premier gros média rap sur internet. Et ouais, ils ont des mixtapes dans lesquels il y a beaucoup de freestyle. Tu sais quoi, moi je dis le premier alors. Attends, le premier, Roofstop. Ouais, Roofstop. C'était quoi le deuxième? MVP, Bouska MVP. Et le troisième, c'est Bouska New York. Non, Bouska MVP, je pense, je suis quasi sûr que ça existe. Ouais, ça je pense aussi. Je dirais la 1, franchement la 1. La 1. Je sais pas, parce que est-ce que tu connais le mot rooftop? C'est ce que ça veut dire? C'est un média. Du coup, je dirais New York. New York? On va voir si j'ai bien réfléchi ou si je me suis perdu moi-même dans mes... Tant de réflexion. Si vous aussi, dans le chat, vous avez une idée, vous n'hésitez pas à envoyer votre message dans le chat, bien entendu. Alors, on avait donc le choix entre Bouska Roofstop, Bouska MVP ou Bouska New York, et la bonne réponse était Bouska MVP. Mais non. Et si, il n'y a ça jamais eu Bouska, de Bouska MVP. Bouska Roofstop, c'est SAH qui l'a fait. Et bah. Bouska New York, c'est Dahuzi qui l'a fait. Ok, ok. Et MVP okay. N'a jamais existé. Personne n'a pensé à faire un sérieux truc. Sérieux, mais pourtant c'est la... Ok, ok, ok. Voilà, trop facile. Non, tous les égotrips, tous les égotrips qu'il y a dans les freestyles, il y en a pas un, il s'est dit je vais faire un Bouska MVP. C'est non, fou. Personne. Putain, c'est chaud. Bon, je vais devoir le faire, alors je vais les appeler. Allez, t'as donné l'idée. Donc, ouais. J'ai une idée, tiens, Bouska MVP, ça vous intéresse? Allez. Bah, ouais, franchement, c'est chaud. Moi, franchement, je suis déçu de moi-même. Question numéro 3. Quelle cérémonie aura lieu en 2003 et va permettre de mettre en avant le hip-hop et le rap? En 2003? En 2023. En 2023, en 2023. France? En France. Ouais, ça vient d'être fait, là, c'est les flammes. C'est les flammes, la cérémonie des flammes. Ouais. Alors, il y a toute une polémique autour de ça, disant que si c'est pour copier les victoires de la musique que personne n'aime de base, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? En fait, c'est une réponse à ce truc-là. C'est parce qu'en fait, dans les victoires de la musique, il y a une hypocrisie de malade. C'est que les rappeurs ne sont pas invités. Ou alors, c'est toujours les mêmes rappeurs qui sont invités. Borel Sam. Ouais, bah des blancs, en fait, hein, cherche pas. Moi, je me souviens que de lui. En vrai de vrai, que des rappeurs blancs qui vont passer sur certains médias. Et les plus gros vendeurs... dans l'industrie rap qui font beaucoup plus de chiffres que n'importe quel mec qui fait de la pop en France, ils sont pas invités. Et donc les flammes, c'était aussi une réponse parce qu'ils voulaient avoir une cérémonie un peu spécifique. Ouais. Après, j'ai regardé, j'étais pas fan de tout, je t'avoue, mais au moins ça a le mérite d'exister, quoi. Bah, c'est sûr. Bah, c'est vrai que je suis en train de me dire que la seule fois où j'ai vu des rappeurs
noir sur les victoires de la musique, c'était Section d'Assaut, mais il y avait un blanc dedans, donc forcément ça aidait un peu. Et je pense que à l'époque, mais peut-être si je dis une bêtise, à l'époque le Science ou pas Crew aussi avait fait les victoires de la musique. Il doit y avoir quand même de temps en temps un rappeur qui se tape l'incruste, mais c'est toujours un peu le même genre de. Bah c'est vrai que rappeur qui a une étiquette de rappeur un peu gentil, un peu. Aurel Sam, certains styles de rap quoi. Ouais, maintenant, mais après Aurel Sam, il est trop chaud. Il est chaud, il est bien. Ouais, mais... c'est un tueur, hein, c'est pas la question. Du coup, il n'y a que lui. Ouais, il y avait Nekfeu aussi, il y a eu des très bons rappeurs qui ont été récompensés, mais c'est vrai qu'il y a eu toujours un peu cette frustration des gens qui font du rap. On a qu'à créer aussi une autre émission en réponse à la flamme. Et on invite Patrick Timsy. Attention, la flamme, c'est le programme de marrant de Jonathan Cohen. Ça, c'est les flammes au pluriel. C'est pas la même. La flamme. Attends, le flambeau. C'est le flambeau. C'est le flambeau, Jonathan Cohen. Non, mais avant, c'était la flamme. Non. Ah oui, quand il faisait le bachelor, c'est la flamme. C'est juste, c'est la flamme. Je vais apprendre des trucs, moi. Je ferai ton culture générale plus tard. Ah oui. Question suivante. Louis Armstrong est l'inventeur du scat. Scatman, tout ça, là. Selon la légende, comment a-t-il créé le scat? Il est tombé dans les escaliers. Non. Ça, c'est une super bonne question. Alors, il y a une grosse légende autour de ça. J'ai aucune idée. Tu sais déjà donner une direction où on fait comme on faisait dans nos émissions, je te dis un truc et tu dis oui ou non. On peut aussi. Je peux déjà vous donner une première direction. Il a inventé ça sur scène. Parce que son instrument n'était pas amplifié, il avait un problème d'instrument, il a improvisé? Non. Il devait se dépêcher à parler et à présenter quelque chose aux gens. Non, du tout. Le suivant arrivait. Non, non du tout. Est-ce que c'est en rapport avec la maison? Non. Non. Alors, franchement, j'ai pas dit. Est-ce que c'est en rapport avec le fait de dire au revoir? C'est pas en rapport avec le fait de dire au revoir. Dire bonjour? Pas dire bonjour. Avec tes instruments? Pas vraiment avec les instruments. Est-ce qu'il voulait communiquer tester, quelque chose? C'est un test micro-imbalance, un truc comme ça? Non, du tout. Est-ce qu'il voulait communiquer quelque chose avec les gens de derrière et... Non, du tout. Vas-y, dis-nous. Moi, je peux rester longtemps. Hein, il peut rester longtemps. Non, je vous fais la scène. Louis Armstrong est sur scène. Mm-hmm. Il est en plein dans sa musique. Il se passe un truc. D'un coup, il a une idée. Il invente le ska. Mais il l'invente vraiment à ce moment-là parce qu'il n'a pas d'autre solution. Il joue de l'instrument là? Alors, il jouait de l'instrument, mais là, il ne jouait plus de l'instrument. Il était à l'autre partie de la chanson. Il devait tousser. Non. Est-ce qu'il était malade? Non, je sais pas. Ça franchement, j'ai rien qui me vient. Je sais pas. Il a oublié les paroles. Il avait oublié les paroles de son chant. Ah. En fait, non, c'est pas tellement qu'il avait oublié les paroles de son chant. En fait, selon la légende, il avait mis les paroles. Donc, il avait mis la partition sur son. Ça s'est envolé. Sur son lutrin. Sur son lutrin. Et le truc est tombé. Et il connaissait pas les paroles par cœur. Okay. Donc, il a commencé à faire des syllabes les unes derrière les autres. Hop, la pop, la ta ta. C'est le meilleur yaourt de l'histoire. En fait. Voilà. Et les gens ont dit oh, c'est génial. Et il avait inventé le ska alors qu'en fait, il avait juste paumé ses paroles incroyable. Sur scène. Incroyable. Je savais pas du tout. Cool. Voilà. Donc, j'ai bien fait de venir, les gars. Et on apprend des choses. Hein. On apprend de temps en temps. Ouais. Après, on va apprendre des trucs sur map. Alors. On va mettre un petit jeu sur la géographie. On va apprendre la géographie ensemble. Parce que ça amusait à faire la dernière fois. En géographie. Ouais. Ouais. Ah là, je fais un peu plus fort par contre. Ah. Attention, dans le langage rap, que signifie Yankli? Yankli, c'est un client, c'est le mec qui va acheter de la weed. C'est un client. C'est juste du verlan. Du verlan. Le verlan de client. J'aurais pu le trouver en plus, ça, c'est fou. Attention, question suivante. Dans le monde du rap, que signifie une major? Une major, c'est les grosses compagnies, quoi. C'est les grosses compagnies de distribution, genre Virgin, etc., qui proposent des contrats aux artistes. C'est ça, c'est une grosse maison de production et musicale, tout à fait. T'es loin, là. Non, mais je sais plus, moi. Moi, j'écoute, là. Attention, la suivante est un rien plus compliqué. Je rentre. Hein. Je vous laisse là. Hein. Dans le jazz, qu'est-ce qu'un chase? Tu l'écris comment? Ah, les shades. C-H-A-S-E. Les tons différents de musique. Alors, c'est pas les tons. Ah, c'est pas avec des cymbales? C'est pas avec les cymbales. Enfin, pas vraiment. C'est pas un jeu de cymbales? Les nuances. Un blanc, un truc un peu comme ça, une nuance en contretemps ou quoi? Y a pas un truc comme ça? Non, du tout. Shades, attends. Ça veut dire un truc en plus, mais dans... C'est une manière de jouer d'un instrument? C'est pas une manière de jouer d'un instrument. Non. C'est un instrument, en part entière?
C'est pas un instrument à part entière. Un beat. Okay. Un beat. Un beat. Non, mais c'est en lien avec la musique telle quelle. Je sais pas du tout. Décrescendo ou diminue. C'est pas crescendo. Ah, décrescendo. C'est pas décrescendo non plus. C'est quand t'as un gros bend et qu'il y a une partie qui joue et l'autre, tu vois, qui se répond, un truc comme ça. C'est un truc de partition de chœur d'orchestre, quoi. Il y a plusieurs qui se lancent. C'est pas du tout dans une. Enfin, c'est dans la musique, sauf que tu ne retrouveras plus jamais aigu. Un chase dans une partition de chef d'orchestre. Jamais. Okay. Plus aigu Pas plus aigu. Plus grave. Hein, pas plus grave. C'est changer le switcher de mineur en majeur ou un truc comme ça. Alors, il y a une question de switcher, mais c'est pas la note. C'est juste l'instrument. Pas d'instrument. Le chanteur. Quasiment. qui est le chanteur. Le rappeur. Non. Attends. Sur scène, t'as le chanteur et t'as les choristes. Ah, c'est un switch entre chanteur et les choristes. Pas entre chanteur et choriste. La voix off. Non, il y a vraiment, c'est des mecs, s'ils sont pas là, le concert est nul. Si. Bah, entre les musiciens et le chanteur. Ça entre les musiciens. C'est quoi, c'est une réponse entre. En fait, donc je vais donner la réponse exacte, mais on n'est pas loin. C'est dans le jazz, c'est quand deux solistes doivent se succéder en impro toutes les 4 ou 8 mesures. Ah ouais. Mais soliste chant ? Ou non, soliste instrument du coup ? Soliste instrument. Ok. Donc il y a un premier qui fait une impro pendant 4 mesures, et puis quand il a fini ses 4 mesures, donc, c'est un autre qui improvise par derrière, et puis ils échangent comme ça toutes les 4 mesures. Et ça s'appelle un chase ? Un chase. Ok, cool. En impro, on appelle ça un chase. Ah, chase. Ok, j'aime bien. Je croyais que tu avais dit shade. Et shade, c'est. Je l'ai éplé, hein, si jamais. Donc, tu l'as dit ? C'est de la mauvaise foi, ça. Ben moi, j'étais dans ma réflexion. Je te dis, j'ai entendu shade, et shade, c'est genre un peu les. Shame on you ! Non, pas shame, mais shade. Les différentes couleurs, enfin couleurs, de nuances de couleurs. C'est pour ça que je parlais avec nuance pas tantôt, tu vois. Ok. Question suivante, c'est de la question musique. Voilà, là on est vraiment dans du solfège. Qu'est-ce qu'un tag ? T-A-G. C'est pas le petit carré là. J'ai jamais fait de solfège de ma vie, moi. Non, mais les tags, c'est. Attends. Les tags dans le rap, c'est des dessins sur les murs, ça je sais. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça peut compter comme une bonne réponse, mais. Demi. Non. Pas, même si on fait une partition au mur. Ça pourrait être quoi un tag ouais. Sur une partition. C'est pas genre la clé, une clé c'est ou alors pas une note clé. Ou alors le BPM C'est un peu en lien avec les notes. C'est une croche. C'est une autre manière d'appeler ça une. Non. Dans le monde du rap, on appellera plutôt un turnaround. Ok. Ok. Je sais pas si ça vous aide vraiment, du mais. Tout. Enfin. Non, franchement, je sais pas. Tu recommences. Alors, c'est pas loin de recommencer. Tu fais ton truc, et puis tu recommences le truc, c'est quand t'arrives à la fin d'une boucle. C'est une boucle, mais c'est une boucle particulière. C'est un loop, quoi. C'est un loop, mais un peu particulier. Bah, sur X mesures, je suppose. Non, du tout. C'est un peu comme un chase. Okay. Ah, donc il y en a deux c'est une boucle en réponse, quoi. C'est une boucle en réponse improvisée. Okay. Donc c'est une impro qui est faite et puis qui tourne en boucle. Ah, ok. Voilà, on commence une impro et puis celui qui a fait l'impro fait l'impro en boucle jusqu'à la fin de la chanson. Ok. Voilà. Voilà, c'était la quiz de culture générale. Voilà. Ok, cool. C'était déjà pas mal, on a appris des choses. Cool. Ouais, à la fin, j'allais mieux. Enfin, je devais réfléchir. Donc, c'était un peu comme les anciens jeux qu'on faisait. Comme les anciens jeux. Qu'on ne fait plus d'ailleurs. Non, on a arrêté. On devrait la faire. Ouais, je sais pas pour le moment. On avait les Darwin Awards. Tu veux savoir c'est quoi ? J'imagine. Oui. Et ben voilà, mesdames et messieurs, il est 21h30, il est temps pour nous de rendre l'antenne. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour la Diam avec Monsieur MK. Merci à Monsieur MK d'avoir été là avec nous ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation, les gars, c'était très cool. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi l'émission. N'hésitez pas à aller me follow sur les différents réseaux sociaux. Voilà, Monsieur MK Lunar, MK Lunar sur Facebook, Monsieur MK officiel sur Instagram. Yes, Monsieur MK sur YouTube, Monsieur MK. Sur Spotify. Voilà. Petit moment de promotion, c'est pas si t'as envie de rajouter quelque chose. Ouais, non, juste le clip là qui arrive mercredi du coup, et le P qui vient de sortir, donc qui est tout frais, tout chaud sur Deezer, Spotify, Apple Music, un petit peu partout. Et voilà.
Parfait. Et ben voilà, chers auditeurs, c'est la fin du live pour ce soir. Merci d'avoir été avec nous et merci de nous avoir écoutés. Vous allez pouvoir retrouver le replay sur notre chaîne Twitch, notre chaîne YouTube Raspberry Radio, et vous pourrez retrouver d'ici 24 heures sur Spotify, Deezer, RadioPublic.com et sur Google Podcasts l'émission en entier, bien sûr, avec les musiques de Monsieur MK. Cool. Merci à tous de nous avoir suivis, merci d'avoir été avec nous jusque ce soir, merci Monsieur MK d'avoir merci été là. Merci encore à vous les gars, c'était cool. Voilà, et n'oubliez pas d'aller suivre Monsieur MK sur les réseaux sociaux et sur YouTube et découvrir son EP qui sort. Yes, qui est sorti là. Qui est sorti, qui est bah voilà. Et on vous laisse avec la dernière musique de Monsieur MK, White Sneakers. Ouais, celle-là elle vient du projet précédent, projet qui s'appelait White Sneakers aussi. C'est de nouveau DJ Kali à la prod qui nous a sorti une prod de grand malade. Et c'était mon morceau préféré de l'EP précédent. Donc voilà, j'espère qu'il vous fera kiffer. Le clip est aussi dispo sur YouTube de ce morceau-là. Il date d'il y a un an maintenant. Et on va l'écouter tout de suite en disant au revoir et bonne soirée à nos auditeurs. Et on se retrouve la semaine prochaine tous ensemble. Passez une bonne soirée. Et merci à Monsieur MK d'être passé. Merci. Et bonsoir tout le monde. Je suis un artiste, avec des influences, pas un influenceur. Préfère être sur le côté, je veux être le meilleur des artistes sous-côté. On aime trop nos vérités, on a peur des questions. Si je dois faire le point, je fais un point d'interrogation. Mon opinion est une gymnaste. Elle a une multitude de positions. Je suis pas Ophélie, Dieu m'a pas donné la voix. Je suis MC, le rap m'a donné la voix. Le BPM est divin, je suis un paladin. Je vais me barrer dans le désert avec Apu et Aladdin. Je vais lui choper la lampe, gratter au génie trois souhaits. Je veux rapper comme Jit, stylé comme Kendrick. Avoir une prod de Kali, j'espère qu'il va m'exaucer. Faire de la musique c'est cool. En vrai comment c'est galère. Vierre c'est dur, Peter Pan c'est son du père. A chaque obligation est lié un doute poteau. Est-ce que je suis différent du reste du troupeau? Ma poésie est vraie, ta vérité sonne faux. Trop vrai, trop chill, genre du freezer. Ma musique ne passe pas sur Deezer. Écoute pas ce que les gens disent. Je marche dans la ville avec mes white sneakers. Trop frais, trop chill, sur des freezers. Ma musique ne passe pas sur Deezer. Écoute pas ce que les gens disent. Je marche dans la ville avec mes white sneakers. Je suis trop frais, trop chill, sur des freezers. Ma musique ne passe pas sur Deezer. Écoute pas ce que les gens disent. Je marche dans la ville avec mes white sneakers. Trop frais, trop chill. Trop frais, trop chill. La vie est un mirage, la vie est un miracle. Un futur chargé d'orage, selon l'oracle. L'Oréal, on veut le bonheur parce qu'on le vaut bien. L'Oréal, hors du commun, comme Elvis Romeo. Je préfère mourir d'amour plutôt que de vivre dans la haine. Comme Juliette et Roméo, le monde est une farce. Comédia dell'arte, je te sors un feu chelou comme si je rappais sur Arte. Si toi aussi la vie t'a fait morfler, prends une pause, ferme les yeux, viens danser avec Morphée. Le monde est une farce. Comédia dell'arte, je te sors un feu chelou comme si je rappais sur Arte. Si toi aussi la vie t'a fait morfler, prends une pause, ferme les yeux, viens danser avec Morphée. Trop frais, trop chill, sort du freezer. Ma musique ne passe pas sur Deezer. Écoute pas ce que les gens disent. Je marche dans la ville avec mes white sneakers. Le projet est trop artistique. Moins de rap, plus de musique. J'écoute ce qui se fait autour, je garde que je suis nulle part. Perché, bientôt je feat avec Edouard Baird. Trop fort, j'aime chaque note, chaque feat, chaque sommore. Le rap c'est la nouvelle pop, moi j'écoute pas la pop. Le son que j'aime est mort, il prône le pouvoir et la gloire. Voldemort. Cherche ni à te convaincre, ni à te blesser. Cherche ni les follow, ni à percer. Je veux que la musique vienne me bercer. MK White Sneakers Ba-da-da-ba 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 L'encoule trop, je serai jamais sec. Cali à la prod. Je vais jamais perdre, j'ai passé toute ma vie à me chercher. Putain, je vais finir par devenir le vieux que je voulais être. Dis peu, j'avais peur d'être anormal. Quand je vois c'est quoi votre nom, je suis fier d'être pas normal. Comme Aurel, trop avant-gardiste, monsieur MK, Marc Aurel. J'ai plus ma dépendance à la musique. Aurel me bouffe un paquet de temps, un paquet de thunes, mais elle me couvre de ses oreilles. Oh, magicien lyrical, un aurore avec une aura. Artiste, je suis du métapie, je suis artiste aussi. Plusieurs talents derrière un même place.
Aigle royal en pleine recherche de liberté. Sur ma vie j'ai autant de talent que de fierté. Je photographie ce qui se passe, bouscapé. Je représente mon art jusqu'à la muerte. Jamais été le premier, souvent été heureux. Ceux qui sont premiers ont-ils vraiment confiance en eux? Une vie pleine de ratures, le stylo est marginal. Rien à foutre d'être le meilleur, c'est meilleur d'être original. Joue avec les images, comme avec les notes. On est bien avec vous, on est mieux avec les nôtres. Regarde-moi en face, c'est mon meilleur profil. Si on était payé au talent, je serais Rothschild. Mon ego ne va pas rester calme. Vivre sans passion, c'est chiant comme un film roumain à Cannes. Génétiquement modifié, la musique a changé mon ADN, c'est clair. Chut, laisse parler la caisse, clair. Je suis trop frais, trop chill.